Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Il est 15h, nouvelles annonces Pokémon. Alors moi je pense qu'ils vont parler du Pokémon Home, mais j'en suis absolument pas sûr. Je recharge comme un dingue ma page, en espérant évidemment que ça fonctionne à un moment donné et qu'on ait quelque chose. Si vous avez quelque chose de votre côté, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Attendez, comment je peux vous montrer ça? Je vais vous montrer ça. Bougez pas. Alors, regardez. Sur Twitter, ils disent Galar Research Update, donc update 2 des recherches à Galar. Nous avons trouvé ce qui causait l'erreur, évidemment, dans notre prochaine annonce. C'était à cause d'un Motisma sauvage. De toute façon, Motisma, c'est tous des salauds. Donc ça m'étonne pas. Maintenant que ça a été fait, que ça a été réparé, eh bien, nous sommes prêts à vous divulguer notre prochain... Enfin, le nouveau Pokémon qui a été découvert. Incroyable. Alors... Donc là on voit, je mets la pause vite fait, on voit du coup les évolutions de Zigzaton en forme Galar avec Smogogo Galar. Et là, oh il est beau, oh il est grand, il est incroyable, il est trop beau. Putain ce mono sourcil des enfers. Oh il est trop beau en vrai. En vrai il est trop stylé. Mais c'était sûr, mais oui c'était sûr. Oula. Ils sont bas les reins. Ah oui! Et c'est tout en fait! Olo avait raison. Bah oui, non, mais c'était évident. Donc, du coup, c'est le fameux Sirfetch'd qui avait été leaké évidemment depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Donc, Sirfetch'd qui est de type combat, qui a le talent steadfast qui est pas hyper dingue. Et donc, le sprite, bon, on l'avait deviné du coup grâce au site qui avait bugué tout ça, hein, ceux qui ont suivi, c'est incroyable. Il est exclusif à Sword. Ah, intéressant, je vais regarder. Et donc on voit ici un poireau, hein, du coup, beaucoup plus grand que celui qu'il a l'habitude d'avoir. Et putain, mais tellement, tellement de charisme, tellement de muscles, tellement de puissance dans ce Pokémon. Et vous me dites qu'à la fin on voit... Ah oui, regardez, Pokémon Sword. Donc ça, à mon avis, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir une évolution d'un autre Pokémon qu'on connaît déjà et qui lui sera exclusif à Shield. À mon avis c'est ça que ça veut dire. Ouais on le voit même ici en fait. On le voit même ici qu'il est exclusif à Sword. Que dire de plus sur ce Pokémon? Pour l'instant pas grand chose. On regarde un petit peu le trailer vite fait. On regarde les annonces. Pokémon Sword version exclusive, c'est bien écrit en bas encore une fois. On va aller regarder le trailer français juste après parce que j'ai un peu peur de la trad française. Page précédente. Sûr. Ah là. Putain. Ça n'a pas changé du coup, hein. La page est toujours buggée. Donc c'est ça qu'on voyait, hein, pour ceux qui suivent sur YouTube, c'est ça qu'on voyait cette semaine et qui était buggé. Et du coup, en fait, on avait bien compris qu'il fallait rotate l'image pour avoir les pieds ici, le haut de la tête là, en fait. Et du coup, on avait bien compris que c'était une évolution de Canartichou qui allait avoir un bouclier et une genre de lance. Et 117 kilos, bordel. 117 kilos de muscles. Le but était en haut à droite de la page. Et voilà, c'est pas une évolution, sinon on aurait vu qu'Artichaut évolue en Sirfetch'd. Alors c'est une évolution, hein, désolé de vous le dire. Seuls les gnagnagna ayant survécu à de nombreux combats atteignent ce... Et là c'est stade d'évolution, j'imagine. Et c'est forcément une évolution en fait, sinon il aurait le même nom. Ce serait pas Sirfetch'd, ce serait Farfetch'd. Galar Farfetch'd en fait, ce serait pas Sirfetch'd, ce serait pas un autre nom. Je le rappelle. Donc si... Je suis désolé, hein, si vous ne le comprenez pas et si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, effectivement, on sait que c'est une évolution, mais je vous assure que c'est une évolution. Voilà, et c'est ce que je vous dis depuis 1000 ans, c'est une évolution. C'est marqué dans la vidéo que c'est une évolution. Alors, si en plus c'est marqué dans la vidéo, alors là, vous n'avez aucune excuse. Hein. Farfetch'd that inhabits the Galar region can evolve. Donc, Farfetch'd can evolve into Sirfetch'd after experiencing many battles. Donc, traduction, rencontrer, bon, Sirfetch'd dont on n'a pas la traduction, le Pokémon canard sauvage, les Canartichou qui habitent à Galar, donc effectivement ce sera Galar only, peuvent évoluer en Sirfetch'd après avoir vécu plusieurs combats. Donc voilà, YouTube, on va s'arrêter ici évidemment pour cette petite vidéo qui va être très 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 courte, hein, sur la découverte de Palartichou.
Je vais quand même te sortir ça, je pense que c'est sympathique comme, comme découverte. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses. Donc, pas artichaut pour le nom français, on vient de voir ça. Il est exclusif à Pokémon Épée, c'est bien une évolution, je fais le récap, hein, c'est bien une évolution de Ken Artichaut qui sera exclusive à Galar. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo, vu qu'il est exclusif à Pokémon Épée, j'imagine qu'on aura une nouvelle évolution Galar d'un autre Pokémon et qui lui sera exclusif à Bouclier, donc on verra qui, quand, comment, tout ça. Incroyable YouTube. Alors le chat vient d'avoir une théorie qui est pas bête du tout. Ça se trouve, le Pokémon qu'on va avoir en plus, ce sera peut-être, alors ça c'est la théorie complète, hein. Peut-être qu'en fait on aura une autre forme, une autre évolution en fait de Ken Artichaut, qui elle serait plus axée sur le Bouclier. Parce qu'on voit épée et bouclier, hein, parce que ça, c'est, enfin, ça peut être considéré comme une épée finalement. Les épées bâtardes, les épées de main, elles sont aussi, enfin, elles peuvent être énormes aussi. Et donc pourquoi pas une autre évolution du coup qui serait version lock entre guillemets. Donc c'est à dire qu'il faudrait avoir bouclier pour avoir l'autre évolution de Ken Artichaut qui serait du coup bah autre chose, une autre forme d'évolution en fait que pas l'artichaut du coup sur la version bouclier. Ce serait hyper intéressant. D'avoir ce genre de truc, donc pourquoi pas en vrai, hein, ça serait plutôt cool, pourquoi pas, une bonne idée. On se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, hein. Encore une fois, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. À la prochaine, des bisous.